Là, on voit que c'est un vin blanc, un vin blanc sec. On pourrait sentir des arômes plutôt fruités, peut-être de l'acidité, tout ça. Et ces choses, je ne les sens pas du tout. Des arômes indétectables. Une conséquence de la Covid-19 que Pauline a attrapée fin septembre. Depuis, impossible de retrouver ni le goût, ni l'odorat. Une épreuve très déroutante pour une jeune fille qui se destine à l'œnologie. Elle a préféré témoigner à visage couvert. J'ai peur que ça revienne pas, mais il y a toujours cette inquiétude. C'est comment je fais si ça revient pas? Je me suis lancée là-dedans, c'est le métier de mes rêves. Dans cet institut des sciences de la vigne et du vin, 5 étudiants comme Pauline ont perdu le sens olfactif. D'où cette idée de mettre au point une rééducation spécifique, imaginée par cette enseignante, docteur en neurosciences et son équipe, à l'aide d'un kit d'odeurs à sentir tous les jours. Vous allez sentir pendant maximum une trentaine de secondes l'odeur en essayant de la percevoir, bien sûr. Vous allez noter si vous la percevez, si par rapport à vos souvenirs elle est plus agréable, moins agréable, vous trouvez que l'intensité évolue par rapport à l'exercice de la veille. Et puis vous allez faire travailler votre mémoire, c'est-à-dire que si on travaille avec le nom de l'odeur, on peut essayer de la comparer à nos souvenirs. Et ces efforts d'attention, en notant ensuite sur le livret d'entraînement, vont permettre d'entraîner votre système olfactif. Arnaud a été l'un des premiers étudiants à tester le protocole. Après un mois d'exercice, il a retrouvé le moral. Ça m'a pas mal aidé parce que j'ai retrouvé quasiment, pas la totalité, mais une bonne partie de mes capacités, même s'il y a des odeurs comme par exemple tout à l'heure le bois que j'ai pas pu percevoir, et des odeurs qui sont un peu modifiées. Mais bon, je travaille tous les jours pour essayer que ça aille mieux. Exercices, conseils, guides d'entraînement ont été mis à disposition du grand public via le site internet de l'école, à destination des nombreuses personnes frappées par ce handicap. Ça concerne tous les métiers où l'odorat et le goût sont utilisés, les restaurateurs, les parfumeurs par exemple. Et puis toute personne au quotidien, c'est quand même très handicapant de ne plus avoir de goût ni d'odorat. Il faudra s'exercer pendant 3 mois au minimum avant d'espérer retrouver 100% de ses capacités.